C'est la guerre de 1870. Napoléon III et son premier ministre Émile Ollivier, un Varois, vont déclarer la guerre à la Prusse. Or, beaucoup de Varois vont y laisser leur vie. Et les survivants recevront en janvier 1914 une médaille spécifique de la guerre de 1870-1871. Alors, Bazeilles est une ville des Ardennes, où la division bleue, composée des 1er, 2e, 3e et 4e régiments d'infanterie des troupes de marine et du 1er régiment d'artillerie des troupes de marine, vont affronter les troupes bavaroises. Alors, cet épisode se situe les 31 août et 1er septembre, et les Marsouins vont affronter un ennemi très supérieur en nombre et vont lui infliger des pertes considérables. Mais toutefois, les Français vont devoir faire retraite. Ils vont se replier dans une maison avec une poignée d'hommes et vont se battre jusqu'à la dernière cartouche. C'est de là qu'est tiré le célèbre tableau d'Alphonse de Neuville, « La maison des dernières cartouches ». Et c'est un haut fait d'armes qui va faire de Bazeilles le symbole des troupes de marine jusqu'en 1900, puis des troupes coloniales jusqu'en 1858, et qui est célébré toutes les années dans toute la France avec la lecture officielle du récit, et on va chanter l'hymne des troupes de marine. Signalons que le jeune lieutenant Joseph Gallieni, qui va se marier avec une Raffaelloise, va être fait prisonnier à cette occasion.